africaine. Nous battre aussi pour une éducation de base libre, gratuite et obligatoire des enfants pour des salaires, décents. نصر الدين الصالحي رئيس الاتحاد النقابي الافريقي اللي هو اليوم كيجتمع في اول لقاء ديالو بعد ما كان تاسس في هذا الاتحاد في 2021 في الظروف ديال كوفيد رغم ديك الظروف ديال كوفيد فاستطعنا التاسيس ديالو وهذا الاجتماع هذا الاتحاد النقابي الافريقي القوه النقابيه هي اللي تاسست هذا الاتحاد بطبيعه الحال وهذا شرف للمغاربه واليوم حنا في هذا الاجتماع الافتتاحي راه حنا غادي نديروا واحد البرنامج اللي هو غادي يكون مدته على مده 5 ايام اللي غادي نشتغلوا فيه على وضع واحد البرنامج استراتيجي اللي غنشتغلوه جميع وكما قلت على اساس كاين الاشتغال ديالنا غيكون بوجهتين الوجهه الاولى هو الدفاع عن حقوق الشغيله بطبيعه الحال والطبقه المظلومه وكذلك حقوق الانسان وكذلك الوجهه الثانيه اللي غادي تكون فيه الدفاع عن وحده الوحده الترابيه فاحنا كقوه نقابيه حاولنا ما امكن نشتغلوا على هذا الاتحاد والتكوين ديالو فالى جينا نفكروا غادي يكون هو كقنطره المرور الدفاع عن الوحده الترابيه ديالنا ووضع واحد الحجره بالنسبه لاعداء الوطن وهذا الاتحاد بطبيعه الحال راه غادي يدار اجتماعات اخرى في الدول الافريقيه اللي هي متواجده واللي هي منضويه تحت الاتحاد اللي كتشكل 18 منظمه و 12 دوله فهذا شرف لنا كمغاربه اننا كنستضفوا هذا اللقاء الاولي واللي غادي يدوم بطبيعه الحال 5 ايام اللي غادي نشتغلوا فيها ونضعوا واحد خطه عمل مستقبليه اللي يمكن ان شاء الله تكون ناجحه وتكون كتشرف المغاربه. انجيما وينسيسلاس دو لا كونفيدراسيون سينديكال غابونيز. Je suis, depuis le dernier congrès, j'avais été élu vice-président de la Confédération syndicale africaine. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous nous réunissons pour à la fois fêter le premier anniversaire de la Confédération syndicale africaine USA, d'une part, et d'autre part, ça va nous permettre de faire le bilan et adouber, n'est-ce pas, les nouveaux membres qui se sont manifestés. Il est nécessaire ici de rappeler que l'Union syndicale africaine qui est née en avril 2021 poursuit l'objectif, n'est-ce pas, de doter le continent africain d'une organisation panafricaine qui est la volonté même des travailleurs, sans influence, n'est-ce pas, des gouvernements et sans influence des anciennes colonies ou des anciens colonisateurs. C'est dans cette optique que les travailleurs se sont réunis autour du camarade Nasser Eddine pour donner forme et vie à, n'est-ce pas, à cette ambition. Je pense que c'est l'occasion qui nous est offerte pour rendre un vibrant hommage au camarade Nasser Eddine pour avoir, n'est-ce pas, pensé à mettre en place cette organisation et qui nous sert aujourd'hui de courroie de transmission. En effet, l'USA va se donner pour objectif que, n'est-ce pas, d'être une plateforme d'échange, d'expérience et de connaissances pour pouvoir harmoniser le mouvement syndical dans le continent. C'est un programme ambitieux, mais la volonté des hommes nous permettra d'atteindre cet objectif. Je me nomme Kambiré Bébé Albert, je suis secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire du Burkina Faso, donc de l'Assemblée législative de transition. Alors également, je suis secrétaire général donc, de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains. Donc nous sommes là dans le cadre donc, de cette rencontre de l'Union syndicale africaine afin donc, de fédérer nos énergies avec les autres mouvements syndicaux pour que la question, donc, la problématique des conditions de vie et de travail des travailleurs dans nos différents pays donc, soit beaucoup plus pensée, beaucoup plus améliorée. Donc nous sommes en synergie donc, avec nos frères africains donc pour que effectivement des solutions plus appropriées puissent être trouvées pour les travailleurs que nous représentons. Donc c'est dire que bon, cette rencontre-là, nous espérons en termes de perspective que des horizons soient dégagés pour qu'ensemble donc, nous puissions prendre à bras le corps donc, la lancinante problématique donc, des conditions de vie et de travail des militants que nous représentons. Voilà un peu en tout cas nos objectifs que nous recherchons à travers notre participation à cette rencontre de Kenitra au Maroc.